j'ai été clair. Le sélectionneur numéro 1 qui va venir, il a une mission de court terme. Il n'a pas une mission de long terme. Sa mission, c'est la CAN et maximum un an supplémentaire. C'est même pas compliqué. S'il ne gagne pas la CAN, ou s'il n'a pas un résultat satisfaisant, que nous estimons satisfaisant, dans la manière de jouer, dans l'organisation de jeu, dans la performance, minimum demi-finale, il ne sera pas reconduit. Donc pour moi, c'est un commando. Voilà. Un commando, c'est un objectif court terme. Il faut que tu montres là ta capacité. Et maintenant, pour moi, 68 ans, ce n'est pas un handicap. 68 ans, c'est de l'expérience. Et je vous invite tous, parce que vous êtes des journalistes, à vous renseigner sur ce que Jean-Louis Gasset représente en France. Je dis bien vous renseigner, parce que si moi je vous le dis, vous allez penser que je le dis pour le dire. Renseignez-vous sur ce que ce monsieur représente en termes de compétences, en termes de connaissances, en termes d'expérience. Renseignez-vous. Parce que je rentre pas dans la polémique, mais j'ai vu des gens qui sont allés sur Wikipédia prendre le total des défaites, prendre le chiffre, faire des comparaisons. J'ai rigolé. Parce que j'ai dit, mais c'est dramatique. Parce que c'est comme ça qu'on regarde. Je vais vous amener un élément. Parce que vous avez peut-être la mémoire courte, mais moi, c'est quelqu'un qui travaille. Voilà Aimé Jacquet. Vous savez qui est Aimé Jacquet? C'est le premier sélectionneur qui a permis à la France de gagner. Quand il prenait la France pour la Coupe du Monde de 98, 99,99% des Français étaient opposés. Parce qu'ils sortaient d'une expérience désastreuse à l'AS Nancy-Lorraine. Il a pris l'équipe. Mais c'était un technicien dont les compétences n'ont jamais été remises en cause. Il a pris l'équipe. Il a travaillé, il a obtenu les résultats. Donc, je le dis pour que, parce que vous êtes tous des leaders d'opinion. Et vous devez comprendre que les choix que j'ai faits, ce n'est pas un choix personnel. C'est un choix à travers une structure qui est la fédération, un groupe de travail qui a été indiqué. Et c'est un choix pour notre pays. Même si vous ne m'appréciez pas à titre personnel, appréciez le travail qu'on fait pour notre pays. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Donc, si celui qu'on a choisi a le profil adéquat, parce qu'il a été entraîneur d'une équipe nationale, a le profil adéquat, parce qu'il a été entraîneur d'un club, a le profil adéquat, parce qu'il a eu une expérience, prenez ça, et puis regardez-le à l'œuvre. Les polémiques ne nous mèneront nulle part. Il faut que nous soyons capables d'aller à l'essentiel. Nous pensons, au niveau de la fédération, du comité exécutif qui a endossé cette décision, nous pensons que M. Jean-Louis Gasset et M. Faye Emers ont les compétences adéquates pour notre équipe nationale au plus haut niveau et dans les meilleures conditions. Qu'est-ce que vous appelez connaissance de l'environnement africain? Quand j'ai été sélectionné d'une nation africaine. Et quels sont leurs résultats? Ils ont au moins participé à la compétition. J'ai dit donner les résultats. Quels résultats ils ont eu? Le football est universel. Le football est universel. Ça veut dire quoi? Quand on a une connaissance du football avec des diplômes de haut niveau, quand on a entraîné dans une équipe de football de haut niveau, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique ou en Asie, on a une connaissance du football. Le football africain dont vous parlez, regardez les équipes qui jouent. Il y a combien de joueurs qui évoluent dans le football africain? Prenez l'équipe du Sénégal, dites-moi, il y a combien de joueurs qui évoluent au Sénégal? Prenez l'équipe du Cameroun. Il y a combien de joueurs qui évoluent au Cameroun? Prenez l'équipe de Côte d'Ivoire. Il y en a combien? Donc, ne ramenez pas ça au football africain. Ça veut rien dire. Les joueurs qui évoluent dans nos compétitions africaines, en dehors du CHAN, parce que c'est le CHAN qui prend les joueurs locaux. Mais en Coupe d'Afrique des Nations, là, c'est pas des joueurs qui évoluent dans l'environnement africain. Donc, on doit prendre une compétence qui connaît le football. Et c'est ce que nous avons fait. Jean-Louis Gasset a un cursus qui est un cursus avec une belle expérience, une belle connaissance du football mondial, des joueurs africains. Si ça peut vous faire plaisir, je vais vous donner une anecdote. Jean-Louis Gasset, son meilleur ami, vous savez c'était qui dans sa jeunesse? C'était Mama Ouattara, père à son âme. Parce qu'ils ont joué ensemble à Montpellier. Donc, ça peut vous dire qu'il connaît peut-être l'Africain, parce qu'il a un lien. Mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la connaissance de Jean-Louis Gasset du football. Sa capacité à organiser notre équipe nationale. Sa capacité
à la mettre, à la modeler pour obtenir les résultats que nous recherchons. Et cette capacité, nous pensons qu'il a, au-delà de la connaissance du football africain, qui pour moi n'est pas indispensable. Donc, l'objectif assigné, c'est avoir la meilleure participation possible à la CAN. Pour nous, la meilleure participation possible, c'est gagner la CAN. D'accord? Mais nous avons aussi une lucidité liée à notre expérience. Indiquez-moi, à votre connaissance, combien de pays qui ont organisé la CAN l'ont gagné. Faut pas non plus qu'on aille faire ou croire aux gens que nous sommes des bisounours, hein. On vit sur la base d'expériences précises. Indiquez-moi. Donc, pour moi, l'objectif, c'est gagner la CAN. Et c'est ce que nous avons dit aux deux coachs. Après, tout sera mis en œuvre pour que nous la gagnions. Et dans l'organisation, et sportivement, et humainement, et socialement. Nous avons aujourd'hui un président de la République, sur le président, son excellence, M. Alassane Ouattara, qui a mis plus de 1 milliard de dollars dans la construction des infrastructures. Le premier ministre est chargé personnellement de piloter ces opérations. Nous, nous sommes sur la partie sportive. Donc, on met en œuvre une organisation efficiente pour que l'équipe soit la mieux structurée, la plus solide possible, pour qu'elle aille le plus loin possible. C'est ce qui explique les choix que nous avons faits. Nous avons une totale confiance en la compétence de ces deux personnes pour diriger notre équipe nationale et l'emmener au plus haut niveau. Voilà ce que je peux vous répondre. La durée du contrat de Jean-Louis Gasset, on appelle ça 1 plus 1. Pour que vous puissiez comprendre. 1 plus 1, ça veut dire quoi? L'objectif, c'est la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est l'objectif. S'il la gagne, son contrat est reconduit automatiquement. Pour un an. S'il ne la gagne pas, que sa participation a été satisfaisante, nous aurons les moyens d'évaluer cette participation. Si elle a été satisfaisante, il peut être reconduit pour un an. Si elle n'a pas été satisfaisante, il s'arrête au bout d'un an. Est-ce que c'est clair? C'est clair? 1 plus 1. D'accord. Alors, le salaire, vous ne l'aurez pas parce que c'est contractuel. Quand on signe un contrat, on ne donne pas le salaire. Donc ça, il faut déjà qu'on se mette d'accord là-dessus. Donc, je ne donnerai pas le salaire parce que c'est dans un contrat, c'est des choses qui sont confidentielles. Le sélectionneur va résider en Côte d'Ivoire. Mais vous savez, quand on va résider en Côte d'Ivoire, ça encore, c'est des polémiques inutiles. Hein. Parce que il va résider en Côte d'Ivoire, il va regarder ce qui est là, mais il va aller souvent en Europe pour voir ce qui se passe en Europe. Donc, il va être entre les deux. Mais sinon, dans son contrat, il est prévu qu'il réside en Côte d'Ivoire. Les deux sélectionneurs. Merci. Oui. Il faut vous rassurer. Moi, je suis un président qui n'aime pas l'ingérence. Parce que quand tu emploies quelqu'un, tu le payes pour faire un travail. Si tu fais son travail à sa place, quel est l'intérêt? Il n'y a aucun intérêt. Donc, il aura toutes les clés. La seule chose que je vais lui demander, et ça, je le dis vraiment devant toute la nation, c'est que dans les sélections des 25 ou des 23, je vais quand même souhaiter, voire exiger, qu'il y ait au moins 2 à 3 joueurs locaux en fonction de la sélection. Parce que je considère que il faut donner l'opportunité aux jeunes qui jouent dans nos championnats de côtoyer les autres et leur donner l'opportunité d'aller de l'avant. Ça, c'est la seule chose que je vais lui demander et lui exiger. Voilà. Donc ça, c'est ce que je peux répondre concernant ces deux points. Le troisième point, c'était quoi? Mais c'était les deux, c'est ça? Il y a des joueurs qui hésitent à rejoindre. Voilà. Alors je n'ai pas analysé cet aspect des choses, mais il est clair que un sélectionneur comme Gasset, qui a connu tous les joueurs en France, qui a une grosse expérience, qui a un gros recul, peut-être que il saura mieux leur parler que nous, c'est-à-dire que nos prédécesseurs ou que les sélectionneurs antérieurs. Peut-être qu'il saura mieux leur parler. Bon, donc j'espère que il va pouvoir y arriver et que ça pourra nous aider. Dans tous les cas, ce sera toujours ils seront toujours bienvenus. L'essentiel, c'est que l'idée, c'est que tous les joueurs qui décident de venir jouer pour l'équipe de Côte d'Ivoire viennent jouer pour l'équipe de Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi? Avec le cœur, avec l'engagement, avec l'amour du drapeau et de la nation. Parce que le contexte où on est, c'est un contexte où il n'y a pas de place pour celui qui vient tricher ou qui vient se promener. Il n'y a pas de place. C'est un langage que je vais tenir aux joueurs quand ils vont arriver. Il n'y a pas de place. Parce que on est dans un entonnoir qui fait que on doit tout faire pour être les meilleurs. Et en termes de commando, j'insiste là-dessus. Donc, en dehors de ça, ils sont tous les bienvenus. Oui, ce sera le cas.
ce sera le cas. Je vous donne déjà l'information. Hein. Un joueur comme Haruna Dendane vient d'avoir son diplôme de manager. Il va être dans l'environnement de l'équipe. Voilà. Quelqu'un comme le maire Kalou au Bonaventure, c'est quelqu'un qui a une expérience indiscutable en Côte d'Ivoire et qui est local. Hein, pour parler, il est local. Hein, donc, il a une expérience, il sera là. Quelqu'un comme Ahmed Ouattara, qui a été un ancien joueur de haut niveau, qui a été aussi de l'environnement de l'équipe qui allait à la Coupe du Monde en 2006 et en 2010, il sera là. Quelqu'un comme Cyril Domoro, qui a été capitaine de l'équipe nationale, les choses, il sera là. Donc toutes ces personnes, quelqu'un comme Alain Gouaméné, qui a été un ancien, toutes ces personnes-là vont apporter leur contribution. Mais on va agencer ça de façon de sorte que ça ne perturbe pas le travail des sélectionneurs. Parce que vous savez, tout ça aussi nécessite la mise en place d'une structuration qui soit vraiment très très bien ordonnée. Donc, ça sera le cas. Vous savez, le mot environnement, c'est un mot qui est dangereux même. Parce que souvent, quand on utilise ça, on met tout dedans. Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire en sorte que l'équipe soit une équipe totalement professionnalisée dans tous les secteurs. Que chacun sache ce qu'il a à faire, comment il va le faire. Par exemple, nous, maintenant, le média officer de l'équipe, c'est Anne-Marie Nguessa. C'est elle qui a été nommée pour ça. C'est son métier. Elle va le faire. Donc, c'est des choses comme ça. Mais vraiment, avec les meilleures compétences dans les différents secteurs, qu'on soit tous très à l'aise. Moi, j'ai regardé le CV de Gassé. J'ai parlé avec Gassé, effectivement, pour pouvoir finaliser. Je peux te dire que Gassé a une compétence vraiment exceptionnel en matière de connaissance de football. Avant lui, j'ai connu beaucoup d'entraîneurs, j'ai échangé avec beaucoup d'entraîneurs. C'est quelqu'un qui a une connaissance exceptionnelle. Donc, ça déjà, c'est quelque chose qu'il faut voir. Deuxièmement, peut-être que si vous recherchez dans vos archives, Gassé, déjà en 2020-2021, avait dit que son rêve, c'était d'entraîner une équipe africaine et de gagner la CAN. Je sais pas si vous avez fait une interview. Et on a dit qu'on était même pas encore dans le pipe, hein. Je peux vous retrouver l'interview. Vous l'avez? Bon, voilà. Donc, voilà quelqu'un qui est déjà depuis un an et demi, deux ans, avait cet objectif. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on peut être plus motivé que ça? Et aujourd'hui, il a l'opportunité. Dans un pays comme la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. C'est pas n'importe quel pays. Ici, c'est Babi. Donc, quand tu viens ici, là. Non, on a qu'à se dire les choses. Quand il vient en Côte d'Ivoire, c'est déjà un honneur pour lui. Parce que notre pays est un pays exceptionnel. Dans un contexte aussi exceptionnel qu'est la Coupe d'Afrique. La dernière CAN, on l'a fait en 84. Il y a beaucoup qui n'étaient même pas nés ici. Là, on a la CAN 2023. C'était un moment exceptionnel. Donc, il est motivé, il est déterminé et il est engagé. Et il fera de son mieux. Je le dis toujours, il fera de son mieux. Et je le dis même par rapport à nous. Quand vous nous voyez là, vous voyez Colonel Koné, colonel de l'armée, président de la SOA, engagé dans le football depuis plusieurs années. Vous voyez Armand Gourou. Vous voyez le doyen coach Kaye. Même vous me voyez. Est-ce que vous pensez que vous avez plus envie de gagner la chose là que nous? Nous tous on a envie de gagner. Donc tout ce qu'on peut faire pour gagner, on va faire. La motivation là, c'est une motivation que nous avons tous. Donc le choix de Gassé, c'est parce que c'est quelqu'un, non seulement qui a la compétence, mais qui a la détermination pour aller au bout. Maintenant, est-ce qu'il a le caractère? Est-ce qu'il a quoi? Vous savez ça là, c'est aléatoire. Je peux pas juger avec deux conversations, trois conversations au téléphone de la valeur. Par contre, je vais peut-être trahir un secret. Non, c'est pas. Je vais pas dire le nom de la personne. Il y a un coach très reconnu. Je dis bien très reconnu que tous les Ivoiriens aiment, dont tous les Ivoiriens rêvent, qui m'ont envoyé un message ce matin pour me dire, président, je vous félicite. Vous avez fait le meilleur choix possible pour la Côte d'Ivoire dans le contexte actuel. S'il me donne son accord, je vais dire son nom. Mais il m'a pas donné son accord. C'est en venant, quand j'ai vu son mot, j'étais surpris. Ça m'a rassuré. Ça m'a confirmé que le choix que la commission avait à effectuer était un bon choix. Voilà. Donc. Non, c'est pas la politique. Bon, toi, viens, je vais te montrer le nom. Faut pas dire à quelqu'un. Viens.
dire. C'est ça, mec, je suis diable. Je dis pas. Prends la photo. Tu vas faire le buzz avec ça. Tu vas faire le buzz. Tu dis à personne. Tu me promets, non? Regarde le nom. Tu as vu le nom? Super. Tais-toi, tais-toi. Super. T'as vu le nom? Il ne veut même pas lire le test. Il ne lit pas le test, il le dit super. Non, là, le test, c'est pas la peine. Mais il fait de la politique. Allez, 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 allez